Aujourd'hui les amis, je vais imiter le boss Ghost Rider et offrir ses pouvoirs à des joueurs en ligne. En ce moment, vous explosez les likes sur les vidéos, donc je compte sur vous pour en faire autant aujourd'hui. Merci beaucoup les amis. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je vais offrir un cadeau à un abonné. Bonjour Akira, alors quel cadeau as-tu choisi? Je veux la Danjaba plus le skin Ghost Rider s'il te plaît. Et voilà, normalement tu as reçu ton skin Ghost Rider. Merci. Et voici ta danse Jabba. Merci Coco. Code Coco dans la boutique. J'essaye tous les jours de vous offrir un maximum de cadeaux pour vous remercier de regarder mes vidéos. Donc si tu veux me soutenir, n'oublie surtout pas de mettre mon code créateur Coco, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. Et... action! Ok les amis, on est parti, on va mettre le prank en place. Oulala, alors ça toi tu dégages toi, sinon tu vas me faire chier. Bah y'a quelqu'un qui est déjà là, Bon, malheureusement, je vais devoir la tuer parce qu'elle a l'air très agressif. Allez, viens, ramène-toi. Attendez. Paix. Je veux la paix, s'il te plaît, ne me tue pas. Sois fun, s'il te plaît, regarde. Je suis Ghost Rider, je suis le boss Ghost Rider. Les amis, si elle ne me tue pas, je veux un maximum de likes. Il y a 0% de chance, mais bon, j'ai un espoir. Tiens, je te donne tout, tiens. Oui, les amis, elle accepte, elle a compris le message. Prends, vas-y, prends tout, t'inquiète pas. Non. Oh, les gens, ils sont trop gentils sur Fortnite parfois, hein. Non, garde tout, c'est pour toi. Tiens, regarde, cœur. Un gros cœur pour toi, prends tout, vas-y. C'est trop cool, les amis. Dès le début de la vidéo, on rencontre quelqu'un de fun. Dès le début, likez, les amis. Je compte sur vous pour liker. Le prank est déjà réussi. Bon, vous l'avez compris, bien sûr, le but du prank, c'est de me faire passer pour le boss Ghost Rider et d'offrir mes pouvoirs à des inconnus. Mais ça fonctionne trop bien, regardez. Elle me donne des cœurs. Allez, vas-y, tiens. Vas-y, c'est pour toi. Allez, cadeau, c'est pour toi, à la prochaine. Bye bye. Fais-toi plaise, à la prochaine. Allez, ciao. Bon, je prends quand même ça pour continuer mes pranks, moi. Voilà, je la laisse faire sa vie, bien sûr, on n'a pas le droit de faire alliance avec des joueurs sur Fortnite. Donc je la laisse tranquillement profiter toute seule de son coffre-fort. Moi, les amis, je go faire d'autres pranks. Mais c'est quand même incroyable que je viens à peine de lancer la vidéo et directement je tombe sur quelqu'un de complètement fun comme ça, c'est trop stylé. Wow, c'est quoi ça? What? Ok, j'ai vu un laser passer. What the fuck? Bon, ouais, les amis, on va se placer aux ruines et on va essayer d'offrir, bien sûr, les pouvoirs de Ghost Rider. Enfin, les faux pouvoirs, mais le but, c'est que vraiment, les gens pensent que je suis le boss Ghost Rider et que je leur offre tout simplement mes pouvoirs. Voilà, j'espère que quelqu'un va me voir. J'entends quelqu'un qui est juste en bas de moi. Écoutez, on va essayer de le voir, attendez. On va essayer de le rejoindre. Où est-ce qu'il est? Attendez, je vais quand même boire une grosse potion, on sait jamais. Si le mec est pas fun et veut me tuer directement, je risque de mourir. Ok, je vais me placer ici, les amis, ça me paraît parfait. Voilà, on met les pouvoirs comme ça. Voilà, là, ils sont bien placés. Attends, toi, tu vas venir plus là. Ok, parfait, on se met là. Et let's go, on fait les modes du drapeau. Les modes cœur, les modes paix. Qui veut dire, bien sûr, qu'on offre tout ça. On offre les pouvoirs de Ghost Rider. Bon, carrément, tout à l'heure, on a offert un coffre-fort entier, carrément, à quelqu'un. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est que la personne, elle se dit, mais... qu'est-ce qu'il fait le mec quoi? Attends, c'est quoi? C'est un PNJ? C'est un bot? C'est quoi? Pourquoi il a des pouvoirs par terre? Pourquoi il met un drapeau rose? Vraiment, je veux que la personne se pose des questions. Et on va voir sa réaction, bien sûr. C'est ça qui est cool dans la vidéo, c'est de voir bien sûr la réaction des joueurs en direct. Ça aurait été encore mieux si on pouvait les entendre au micro. Mais bon, on va se contenter tout simplement de comment ils agissent. Avec les émotes, les danses, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Hein. Donc, vous savez quoi les gars? On va changer de place. On va se placer, je sais pas moi, ici. Ici, ça me paraît pas mal ici. Ok, parfait, la zone s'arrête là. Allez, on balance les pouvoirs. Voilà, là on est bon là, j'espère vraiment que quelqu'un va me voir, hein. La prochaine zone, où est-ce qu'elle est? Ouah, elle est loin la prochaine zone. Bon, je vais pas trop tarder ici non plus, hein. À une minute, s'il y a personne, je me casse les gars, je vais changer d'endroit pour essayer de prank. Allez. Mais j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure en ruine, c'est bizarre. Il est quand même pas parti. Bon les amis, je vais reprendre l'hélicoptère parce que là vraiment dans 35 secondes la zone repart. Et la zone est super loin. On va se placer directement dans la zone pour essayer de faire le prank. Allez, on se casse. Let's go, on speed, on va essayer de trouver un petit endroit plutôt cool. Je sais pas, un endroit qui est un peu en hauteur pour que... les gens puissent me voir. Mais ce qui est un peu dangereux aussi quand t'es en hauteur, c'est que tu peux facilement te prendre une balle de sniper dans la tête. Donc voilà, faut que je trouve un endroit qui est couvert et à la fois qu'on puisse me voir. Ok, on me tire dessus. Ah ouais, on me tire dessus, les gens ils sont déter, hein. Waouh. Ah ouais, les gens sont vraiment déter. Vous savez quoi? On va se placer en haut de la statue de Black Panther. Allez, on descend. On ouvre ce joli coffre. Merde, y'a un mec qui arrive. Y'a un mec qui arrive, je sais pas s'il est là pour me rush ou pas. Allez les amis, on monte en haut de la statue de Black Panther, elle est tellement stylée. Waouh. Allez, c'est parti. Oula, faut pas que ça tombe. Merde, ça tombe les gars.
Non, il est tombé, fais chier. Bon, attendez, on va mettre celui-là, là. Putain, il est tombé, attendez, je vais le chercher. Allez, on se dépêche, on le prend. Ah, il y a encore une grosse popo. Ok, je vais pouvoir me remettre full. Allez, j'espère juste que la prochaine zone va se refermer sur moi, ça serait pas mal, ça, hein. Comme ça, je bouge pas d'endroit, ça fait un peu chier de tout le temps changer de spot. Allez, on se dépêche, on monte. On met le deuxième pouvoir. Ok, on fait le drapeau. C'est bon, les amis, on est en place. Allez, malheureusement, j'ai pas la prochaine zone, mais j'espère que quelqu'un va me remarquer. Avec mon énorme drapeau de cœur, mon drapeau de paix. Eh, mais je sens que je vais manger une balle de sniper dans la gueule, moi. La vidéo va se finir brutalement, vous allez rien comprendre. Non, j'ai espoir en la bonté des joueurs. Ma première rencontre de cette game, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc voilà, j'ai espoir aux prochains joueurs que je vais rencontrer. Oula, je vois des joueurs là-bas. Je vois des joueurs qui se fight. Ah, mais personne me voit. J'ai l'impression que toute la map m'ignore. Allez, je change encore d'endroit, c'est bon. Je change encore de place, les gars, parce que là, j'ai l'impression que personne ne me regarde. Ok, on va placer les pouvoirs ici, les gars. Ok. Et on va faire les modes du drapeau ici, voilà. Comme ça, au moins, je suis protégé et à la fois, on voit mon drapeau. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal comme concept. Là, les gars, je suis tout en haut de la plus grande montagne. Les gens sont obligés de me voir, là. C'est obligé que des gens voient mon drapeau. Mais j'espère qu'ils vont le comprendre et qu'ils vont pas me déglingue ma race. Bon, en même temps, il reste plus que 7 personnes en vie sur le jeu. Les gens, ils ont vraiment envie de réussir à faire top 1. Ce qui serait pas mal aussi, c'est que je teste de survivre jusqu'à la fin. Et peut-être que le 1-1 là, avec la personne qui restera à la fin. Oh, il y a quelqu'un. Sera plus cool. Il y a quelqu'un, les gars. Il y a quelqu'un qui est là. Elle me voit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, mais putain, mais t'es pas fun. T'es pas fun du tout. T'es pas fun. Mais tu vois un mec qui est en train de faire un drapeau. Non, mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible. Mais t'es pas du tout fun comme meuf. Non, mais c'est incroyable, quoi. Tu vois un mec qui fait un drapeau avec un gros cœur rose. Sincèrement, quoi. Tu réfléchis pas? T'as pas envie de dire une scène un peu stylée? Oh, moi, je les emmerde, les joueurs sérieux sur Fortnite. Ça m'énerve, moi. Oui, bon, ok, c'est un jeu sérieux. On doit jouer sérieux, ok. Mais quand tu vois des trucs fun, sois fun, putain. Non, mais c'est trop, c'est... Non, mais il y a vraiment deux communautés sur Fortnite, quoi. Il y a les chauves en slip qui transpirent devant leur PC, et il y a les fun qui sont parfois autant forts que les chauves en slip qui transpirent, hein. Mais qui sont fun parfois, quoi. Jeu, jouer, amuser. Jeu égale jouer. Jeu, vidéo, jouer dans une vidéo. Jeu, jouer, amusement. Amuser, jouer, jeu, amuse-toi. Jeu. Pas sérieux, PGM, fou, slip, chauve qui transpire dans son canapé. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Au moins, j'ai réussi le prank dès le début. Ça, c'est plutôt cool. N'oublie surtout pas de mettre, très important, le code COCO. K-O-C-O. Dans la boutique Fortnite, c'était ce COCO. À très bientôt.